Alors que le film Flash arrive dans quelques semaines sur nos écrans et que Urban Comics a célébré évidemment le succès de la série Flashpoint, eh bien, il est temps de replonger dans ces réalités alternatives, dans ce multivers et d'aller voir ce qu'il se passe dans ce monde créé par Flash dans Flashpoint. Une réalité alternative avec un Batman différent, avec un Joker différent et avec évidemment des enjeux différents. On pensait l'univers Flashpoint un petit peu oublié, DC Comics lui a redonné évidemment corps dans Flashpoint Beyond. Alors évidemment, il faut avoir lu Flashpoint hein, pour en apprécier toutes les subtilités, et puis Doomsday Clock, pourquoi pas. Mais c'est surtout une replongée dans cet univers, avec ce Batman très différent de celui que vous connaissez. Si vous avez lu Flashpoint, vous savez qui c'est. Si vous ne l'avez pas lu encore, eh bien, vous le découvrirez. Dans les premières pages de Flashpoint Beyond, on retrouve un dessinateur qui fait le lien entre une des mini-séries consacrées à Batman, Flashpoint Batman à l'époque, Eduardo Risso, dont on voit quelques pages au début, et puis une pléiade de dessinateurs viennent s'associer à Geoff Johns, donc c'est le grand retour également, des dessinateurs qui, nous proposent des choses excellentes. Il y a le dessinateur Germanico, j'arrive pas à le dire, je suis désolé, j'écorche son nom, toutes mes excuses. Il sera d'ailleurs au Paris Fan Festival, le salon parisien de comics dans les prochaines semaines. Gary Frank, Michael Janin, Edouard Risso, je l'ai dit, tous se répondent à l'appel de ce Flashman, Flashpoint Beyond. Voilà, si vous avez aimé Flashpoint, eh bien prolongez le plaisir avec ce récit incontournable et délicieux des grands auteurs et du plaisir garanti pour un comics qui est disponible dès à présent, aujourd'hui, en version française chez Urban Comics, disponible sur originalcomics.fr à la livraison, disponible en boutique à Paris au 49 rue Lacépède. Ça fait partie des très très belles lectures à ne rater sous aucun prétexte. C'est à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr. Bien entendu, le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Salut !